Et salut tout le monde, c'est Sandy30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de At In Time. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. On n'était pas loin de terminer, eh bien, le deuxième chapitre, le choc des volailles. Il nous restait, eh bien, 4 niveaux, je pense. Donc, le boss, ce niveau-là, la grande parade, le fragment temporel violet et, du coup, le fragment temporel bleu. Mais à mon avis, il doit y avoir un autre fragment temporel bleu, si vous voulez mon avis. Ouais, moi je pense qu'il y a toujours 2 fragments temporels par monde. Ok, eh bien ça a l'air sympa. On est de retour du coup dans la ville. Et il va falloir trouver le petit sablier qui est là-bas. Ok, mais c'est quoi l'objectif en fait? C'est juste le sablier, on est d'accord? Y a pas vraiment grand chose quoi. Hop. Ah bah on peut pas, ok, on peut pas. Salut. Salut ma chérie, sois la bienvenue dans le plus grand studio d'enregistrement du monde. Nous sommes sur le point de commencer à filmer la grande parade. Ce film va être à couper le souffle et tu en seras la star, cela va de soi. Et pour ce film, on se servira de notre nouvel accessoire. Ce sera le clou du spectacle. Par contre, ma chérie, on dirait que ton costume n'est pas vraiment taillé pour une parade. Peux-tu aller te changer? Bah oui. Allez, c'est parti. Oh, c'est stylé! Tenue de parade. C'est la majorette qu'il nous faut. Tu es fabuleuse, ma chérie. Ne t'inquiète pas. Ce film va être du gâteau. Déplace-toi et l'orchestre te suivra. Fais juste attention à ne pas leur rentrer dedans. Et garde un œil sur cadeau de l'audience. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Ils adorent voir une bonne parade et t'en lanceront si tu passes près d'eux. Ah, les cadeaux de l'audience, ils vont nous jeter des cadeaux, c'est ça? La parade dure un petit moment, donc sois patiente et tiens le coup. Tu seras prévenu quand tout sera fini. Courage. Mais en fait, j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Bonne chance, ma chérie. D'accord. Get ready. Go. Ouais, mais en fait, ça sert à quoi? Ok, bah j'ai l'impression qu'il va falloir partir un petit peu partout. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Personnellement. Ah non, mais il y a un compteur en bas. Regardez, il y a un compteur. Bah ouais, ok, je comprends mieux maintenant. Eh oui, ok. D'accord, il nous donne des pièces, lui. Ah, d'accord, il y a du temps. Il va falloir récupérer les pièces. D'accord, je comprends. Je comprends mieux. Hop, allez vite, vite, vite. Voilà, donnez-moi les cadeaux. Merci. Par contre, il faut pas rentrer dans les gens qui font de la musique, bien entendu. Alors là, on peut monter, voilà. Il y a quoi ici? Y a pas grand-chose, hein, j'ai l'impression. Hop. En fait, ça fait penser au Mario Cosmique. Il est l'heure d'augmenter la cadence. Ma chérie, peux-tu allumer les feux d'artifice? D'accord, il faut que je les allume. Très bien. Bon, alors pour les allumer, il va falloir me les indiquer par contre, hein. Donc c'est le symbole de panneau comme ça. Il faut que je tape. Ouais, c'est ça. Ok, il faut que je tape, j'ai l'impression. Très bien, il y en a un d'allumé déjà. Ok, parfait. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des fragments temporels dans ce niveau. Donc faisons attention, gardons l'œil. Voilà, oh là là, je me suis fait taper. C'est bon, je crois. Ok. Parfait. Et du coup, il y a des cœurs là-bas. Pourquoi il y a un symbole de cœur? C'est pour nous donner des cœurs, c'est ça? Ah, d'accord. Ok, donc ça, c'est les cadeaux de la foule, si je comprends bien. D'accord. Ok, j'ai compris. C'est bien. Franchement, il est cool, ce niveau. Hop, voilà. Et du coup, tapons ça. Voilà. 3, 2... 1, hop là, c'est parti. Les feux d'artifice. Et du coup, il faut que je fasse quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Telle est la question. Ah, bah il faut que j'aille dedans. Non? Ouais, ça doit être ça. Ah, regardez, il y a des panneaux. D'accord, il y a des panneaux. Mais à quoi ça sert? Ça, je ne sais pas. Il faut que je fasse quoi là maintenant? Ah, regardez. Il faut attendre, je pense. En fait, les gars, je crois qu'il faut attendre. Oh, ça nous fait des dégâts!
D'accord, ok, mais je savais pas ça. Mais il faut m'expliquer enfin. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des cœurs, s'il vous plaît, les amis? Hop. Donnez-moi des cœurs. Merci. Ok, un autre cœur. Donc là, on a 3 vies. Il va falloir attendre encore. On n'a pas déjà assez attendu, là? Ah, regardez, il y a un symbole de DJ Groove, là-bas. Hop. Super. Donne-moi ça. Magnifique. Je sais pas à quoi servent ces symboles, hein. Mais bon, pourquoi pas. Ok. On va monter. Ce film manque d'action. Il est l'heure d'allumer le feu. Peux-tu t'en occuper, ma chérie? Le feu. D'accord, donc il y a des interrupteurs. Il va falloir que j'y aille. Très bien. Ah, regardez, il y en a un ici. Hop. Clac. On allume ça. Oh! Ça nous tire dessus. Oh là là. Ah oui, non, mais tout va se compliquer maintenant. Eh oui, parce que maintenant, tout va se combiner. Il y aura les feux d'artifice. Va y avoir aussi les trucs qui nous balancent du coup du feu. Eh ouais, va y avoir l'électricité. Ah oui, du coup c'est de plus en plus chaud. Si je comprends bien. D'accord. Allez, allons là-bas. Super. Et du coup, il va falloir activer ça là-bas. J'ai l'impression que c'est des bilballes les trucs. Oh là 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 là. Oh ben, très bien. Je suis même pas tombé. Hop, voilà. Et du coup, il faut faire quoi maintenant? Il faut attendre encore? Je peux attendre, hein, si vous voulez, mais... Pour le moment, c'est pas incroyable. Ici, on a quoi? Donc, pas grand-chose. Très bien. Là, il n'y a rien. Et en fait, il faut attendre le compteur, j'ai l'impression. Eh ouais, c'est ça. Ok. Mince! Électricité, j'avais pas vu. C'est pas grave. Ok. Nickel. Et voici le clou du spectacle. Prends-le, ma chérie. Et c'est tout? Il fallait juste se balader comme ça? Bah, il était nul, ce niveau, hein. Ah, mais c'est pas fini. Ah oui, non, mais c'est pas fini. Ah oui, non, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, oui, c'est pas fini. Ok. Oh là 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 là. Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel. Ok, merci. Donnez-moi le... Non mais donnez-le-moi, vite, 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 c'est le bordel. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ah ouais, c'était vraiment le bordel par contre. Ok. Donc on a terminé le film La Grande Parade, réalisé par DJ Groove. DJ Groove dans le rôle du mentor stylé, Petite Fille dans le rôle de la chef de marche, Manchot de l'espace dans le rôle du public survolté. D'accord, donc ça nous fait 1404 à 1220. Pour l'instant, je préfère les films du chauffeur, hein. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a Mustache Girl? Ok. Mustache Girl est de retour. Ok, je me suis infiltré dans le vaisseau de la gamine sans activer les alarmes. Bah si, en fait tu les as activées, hein, quand même. Je parie qu'elle a trouvé beaucoup plus de fragments temporels que moi. Mais où est-ce qu'elle les garde? Oh, je joue Mustache Girl! Ah, c'est sympa! Alors attendez. Du coup... On est d'accord que elle les garde ici, Atkid. Jackpot, ça doit être l'endroit où elle les stocke tous. L'heure est venue de faire joujou avec le temps. Ok, mais j'ai pas trop bien compris là. Pourquoi il y avait cette interlude avec... avec Mustache Girl? Je vous avoue que j'ai pas trop bien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Rental? Qu'est-ce que... Attends, what? Pourquoi il y a un cadenas? Bah c'est le chapeau du coup de... De la parade. On peut le garder celui-là, non? Bah je sais pas en vrai, parce qu'ils nous ont pas donné le chapeau... Oh, waouh! Ah ok, elle a tout pété. Ah, je comprends mieux. D'accord. Elle a tout fait péter. Est-ce qu'elle a pris des fragments temporels? Non, je pense pas en vrai, hein, parce qu'on en a toujours 25. Et là, on peut l'ouvrir. Le courant est revenu dans le grenier. Le chapitre La fin des temps est désormais accessible.
La fin des temps, c'est le chapitre final, ça, non? En tout cas, elle a changé totalement la planète, Mustache Girl, là. C'est pas incroyable. Très bien. Alors, attendez. Déjà, on peut casser ça. Merci. Ça sert à rien. D'accord, ça, c'est le truc qu'on avait dans la chambre. Et du coup, il nous faut... Voilà, celui-là. Clac, on appuie sur ça. Et ça, on doit appuyer avec le chapeau. Voilà. Super. Ok, on a tout cassé. Parfait. Et on peut accéder maintenant, du coup, au chapitre final, je pense. D'accord. Et ça se situe dans le grenier? Eh ben, pourquoi pas. C'est quoi, du coup? Ouais, c'est ça. La fin des temps. L'apothéose. Bon, bah écoutez, on va pas le faire pour le moment, hein. On va vraiment pas le faire pour le moment, le chapitre final, on va bien attendre, sagement. Et on va continuer du coup le chapitre du choc des volailles. Alors la grande parade, c'est bon. Et voilà, du coup il y a encore un time rift, je vous l'avais dit. Il y a deux petits fragments temporels bleus et il y en a un violet par monde. D'accord. Par contre, ouais, les fragments temporels là, ils sont sécurisés et là ils sont détectés dans ce chapitre. DJ Groove a le meilleur score, confirmé sa victoire. Ah, c'est par rapport au score. Donc, à mon avis, on va affronter celui qui a le moins de score, peut-être, ou un truc du genre. Bon, bah écoutez, oui, hein. Ces danses sont sacrément gênantes. Veux-tu vraiment qu'il gagne? Bah ouais, hein. Je sais pas. On va voir, hein. Alors, là, du coup, c'est le jury. Donc là, il a gagné, on est d'accord, hein. Merci ma chérie, merci infiniment. Tout ça n'aurait pas été possible sans toi. On a gagné les Birds Awards. Le conducteur est probablement en train de s'en mordre les doigts. Mais ne t'inquiète pas, il en a vu d'autres. Bref, on plie les bagages pour cette année. Et comme tu avais l'air de vraiment le vouloir, tu peux prendre mon dernier accessoire comme salaire. Ouais, mais ça me semble un petit peu trop facile. Quoi, tu t'attendais à quelque chose d'extraordinaire? N'importe quoi ma chérie, n'importe quoi. Ouais. Non, 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 ça va pas se passer comme ça, hein. Ah si? Mais non! Ça s'arrête comme ça? Mais non, j'y crois pas. Y'a même pas un boss? Mais c'est pas possible! On a vraiment gagné le fragment sans rien faire? Mais alors, attendez. On l'a terminé! Mais non! Par contre, les fragments temporels, comment on peut les avoir? Je comprends pas. Parce qu'on est d'accord, là, ils sont détectés. Mais s'ils sont sécurisés dans les niveaux, on peut pas les faire, on est d'accord. Là, il y en a un dans la parade. Je sais où il est, en plus, hein. Ouais, mais là, ils sont sécurisés. Et même au niveau du combat final. Donc, je comprends pas bien, là. Bon, ben, j'ai l'impression que là, pour l'instant, on peut plus rien faire au niveau du chapitre 2. Peut-être qu'il faut vraiment faire le boss final au début. Ah, mais on est bloqué. Ah, mais c'est pas fini. Les Birds Awards sont triqués, il y a eu triche. Le gagnant connaît le pouvoir des fragments temporels. Il en gardait un et il va le briser en deux. La vérité est enfouie sous les studios Dead Bird. Qu'est-ce qu'il s'y passe quand personne n'y traîne? Tire le rideau sur cette affaire, petite. Clic. Ok, donc ça veut dire que il y a bien un dernier chapitre. Non? Bah oui! Eh oui! Il y a bien quelque chose, on est d'accord. Ok, donc là c'est la nuit. On va pouvoir s'infiltrer. Et ouais, il y a personne. Et alors attendez, vu que maintenant on a notre magnifique badge du trésor, on va aussi pouvoir récupérer les 2-3 trucs qu'on avait loupés. Et ouais, ça c'est cool. Ok, très bien. Bon ben les amis, j'espère que vous êtes prêts. Parce que là, on va s'infiltrer dans les studios Dead Bird. Et j'espère qu'on va trouver des trucs intéressants. On peut aller là. Ouais, ça sert à rien. D'accord. Donc là, il y a tous les Bird Awards. Ok, tac. En plus, c'est drôle parce qu'il y a eu les Oscars récemment. Et en plus, il y a eu les Césars il n'y a pas longtemps. Je dirais même plus, il y a vraiment pas longtemps du tout. Ok, donc là, il fait nuit, on voit pas grand chose. Hein. Je dois bien vous le dire. Par contre, il doit forcément y avoir des choses cachées. Je sais qu'on avait trouvé pas mal de trucs cachés. Hein.
mine de rien, quand on y était venu la première fois. Ok. Donc là, on peut y aller. Voilà. Ok, d'accord. Lol. Par contre, les checkpoints sont pas cool, hein. Vous avez vu, ils nous ont ramenés tout au début. Ok. Bon. On va pouvoir monter, merci. Là, il n'y a rien. D'accord. Attends, me dis pas qu'il faut vraiment faire un saut, là. Eh si, hein. Eh si, 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 il faut faire un saut. Par contre, j'ai vu que là-haut, il y avait quelque chose. Ouais, il y avait quelque chose, mais par contre, pour y aller, il va falloir monter ici. Voilà. Et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une pelote. D'accord, ok. J'avais pas compris. Parfait, du coup, si c'est une pelote. Là-bas, il y a quelque chose encore. On le voit bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Allons-y. Hop. Nickel. Est-ce que on aura des trucs à payer si on fait tomber les cactus et les tipis? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, là, il y a bien quelque chose. Donc, on va essayer de monter. Par contre, comment on peut monter ici? Hop, hop. Ah oui, comme ça. D'accord, ok, je vois. Hop, hop. Mince. Eh ouais, non, du coup, non. Ça marche pas comme ça. Et après, on peut faire ça. Bah oui. C'est carrément mieux. D'accord, donc là, il y a bien quelque chose. Oh, mince! On glisse! On glisse sur le toit! Oh mince! Purée, j'avais pas compris ça. Ils auraient dû le dire. Ok. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, on est d'accord, hein, on peut tomber. Ici. Voilà, super. Une pelote gelée. Parfait. Donc là, on peut tourner. Voilà. De toute façon, ils s'en foutent. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, on est remonté. Au niveau du bon chemin. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et du coup, là, on peut récupérer ça. Parfait. Une pelote gelée encore une fois. Ah, il y a un time rift, là. Ok. Donc, ici, il y a le time rift. Eh bien, écoutez, on va le faire. Et puis, on va se refaire le niveau. On va terminer le monde 2 dans cet épisode, je pense. On va le terminer à 100%. J'espère. Mais pourquoi ils avaient dit que le fragment temporel était sécurisé, alors? Ça, je ne sais pas. Alors, donc je vous rappelle que là c'est vraiment un fragment temporel mais de personnage. Oh bah j'ai récupéré un morceau de carte mentale je pense. Du coup on va en apprendre plus sur le conducteur ou sur DJ Groove. Et ça c'est pas mal. D'accord. Par contre est-ce que... Eh ouais j'ai plus de vie. Eh ouais ouais ouais. Ah non c'est bon ils nous ont remis les vies. D'accord ok. Bon, ça j'avais pas compris. Hop. Ok, là on peut prendre ça. Mais purée, ils sont sérieux! C'est quoi cette caméra là? Mais la caméra, elle fait n'importe quoi aussi. Comment tu veux? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? On peut pas savoir. Ouais, non, la caméra fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ici, il y a des caisses. Mais il y a rien. Par contre, on n'a jamais fait un fragment temporel violet à 100% dès le début. Donc j'aimerais bien le faire pour une fois. Je pense que c'est possible. Avec de la conviction. Voilà. Voilà. Donc là c'est parfait. On peut récupérer ça. En plus il y a un morceau de carte mentale là. Parfait. Un bout de carte. Merci. Ok. C'est pas grave si je me fais toucher. Voilà. J'ai vu qu'il y avait de la vie ici. Là, on récupère ça. Ok, il y a des trucs faillesques là. Voilà, on les récupère. Et du coup, là, il y en a encore un. Voilà. Donc ça nous en fait 4. Je pense qu'au niveau des cartes, on est bon. Par contre, au niveau des trucs faillesques, je mettrai pas ma main à couper, ça c'est clair. Je pense qu'on en a loupé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Continuons. Ok, donc il y a 5 petits trucs. C'est quoi ça? Il y a un papier épinglé sur cette caisse. C'est une facture pour un lot d'accessoires. Étrange, on dirait que quelqu'un a mis une copie de Corgi Quest 7 sur la facture, mais elle ne semble pas avoir été reçue. Apparemment, ils ont reçu une caisse de poisson à la place.
D'accord, ok, je n'ai pas bien compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave, laissons-les dans leur délire. Bon, pour l'instant, là, il n'y a rien. On est d'accord. Ici, on va pas toucher aux vies pour le moment. Ok. Là, c'est quoi? Mince! Purée, il y avait une caméra, j'avais pas capté. Mince, mince, mince. Il faut que je fasse attention à la lumière, en fait. Eh ouais. Voilà. Par contre, la caméra qui fait le bruit d'un corbeau, c'est pas très logique. Oh là là, la caméra, incroyable. Voilà, super. Et du coup, il y avait quelque chose ici, je crois. On en a 4 sur 8 des morceaux de cartes, c'est pas mal. Par contre, il me manque toujours des trucs faillesques. Ok, là, déjà, ça sent le trésor à planer. Voilà. Hop, c'est quoi? Ah, c'était rien? Ah, si, 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 il y avait un truc faillesque dessus. Ok, donc là, il y a un truc, déjà. Il y en a même deux. Parce que ici, il y a quelque chose. Voilà. Là. On peut y aller, ici? Ouais, on peut y aller. Ok, parfait. Heureusement que j'ai le truc qui attire les fragments, hein, parce que sinon, ça serait un petit peu le bordel. Ok, bon, pour l'instant, je pense qu'on a tout, hein. Ouais, je pense vraiment qu'on a tout. On est pas mal. Ok, on peut monter ici. Là, il n'y a plus rien, hein. On est d'accord. Bah ouais, après, là, il n'y a pas grand-chose. Ah, non, non, non. On n'avait pas tout. Voilà, parfait. 6 sur 8, là, je pense qu'on est pas mal. Ok, il va falloir qu'on utilise ça. Ouais, mais pour aller où? Ok, pour aller là-bas. Parfait. En haut, il doit y avoir quelque chose, à mon avis. Est-ce qu'on peut utiliser... Non, on peut pas utiliser le grappin. Là-bas, il y a quelque chose, hein. Ouais. C'est un truc faillesque. Bon, on s'en fout un peu, mais... Parce qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut, mais bon. Regardez, là-haut, il y a quelque chose. Voilà. Et si on passe ici... Mince! Oh bah ok, les caméras m'ont même pas vu. Parfait. Et voilà. Ok, donc on a encore un truc faillesque. Parfait. Bon, là, je pense qu'on a tout clean, hein. On a vraiment tout clean à 100%. Donc, tombons dans l'espèce de truc temporel, je sais pas quoi. Alors, ça, c'est quoi? What? Ah, c'est des... Ok, 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 ok. C'est des interrupteurs. Très bien. C'est quoi ça? Ok, c'est un truc faillesque. Récupérons-le. Là, il y a une étoile dessus. Est-ce que c'est important? Non, je pense pas. Par contre... Oh là 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 là. C'est chelou. Mince! Oh, je suis tombé. Bon, c'est pas grave. Ok, ici... Il y a un morceau de carte mentale. Il nous en manque une. Je pense vraiment qu'on est très bon au niveau des cartes mentales, là. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire au niveau de ce point-là. Par contre, pourquoi je n'arrive pas à monter? Est-ce que c'est une blague? Voilà, bah merci. Ah non, mais parce qu'il y avait un trou, en fait. Ok, mais je comprends mieux. Voilà. Là, on peut activer ça. Parfait. Est-ce qu'on peut monter? Oui, par là-bas. Mince. Ok. J'avais pas compris qu'il faisait le tour. Très bien. Hop, on monte ici. Là, on va utiliser le masque du renard. Hop, voilà. On va attendre qu'il se recharge. Et après, on peut sauter sur la plateforme. Ici. Voilà. Nickel. Ok, il nous manque encore... quelques petites plateformes, je pense, avant de terminer. Ouais, il faut monter ici. Voilà. Allez, on monte là. Parfait. Ici, on va récupérer, voilà, des petits joyaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là? En vrai, je pense qu'on a tout fait, hein. Bon, bah, écoutez, les amis, je pense que là, on a tout, hein. Voilà, on peut continuer. Et du coup... Est-ce qu'il n'y aurait pas une dernière carte mentale dans les parages? Ouais. Donc là, il y a le truc pour le sablier. Mais est-ce que il n'y aurait rien en haut? Non, il n'y a rien.
Laisse-moi tomber, s'il te plaît. Voilà. Au niveau des chaises, au niveau de l'écran, derrière, peut-être. Ah, je sais pas, hein. Ah, si! Regardez, il y a un truc là-haut. Si, si, il y a un truc là-haut. Ok, il y a un truc. Comment y aller, par contre? Ah, c'est une vraie question. Est-ce que je peux casser ça? Non, je peux pas le casser. Je peux monter, par contre. Ouais, c'est possible. Voilà. Bon, par contre, la caméra est tout aussi foireuse, mais c'est pas grave. Voilà. Et du coup, là, on peut récupérer ça. Et on a terminé ce niveau à 100%. Et ça, ça me fait énormément plaisir. Bon. Comment on rentre là-dedans? Ah, mais comme ça, tout simplement. Et ben voilà. Ok, ben c'est parfait, ça. Hop. Oh, regardez, on a 1000 joyaux. Et voilà, on va tout récupérer. Et parfait, on a récupéré le 27e sablier. Et maintenant qu'on a toutes les cartes mentales, on va pouvoir comprendre du coup l'histoire du conducteur et de DJ Groove. Alors, donc Far West et Espace, donc ils étaient petits, ils ont regardé la télé ensemble, ça devait être des frères peut-être. Soit c'est des frères, soit ils ont été baignés par la même passion. Donc ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui avait récupéré le Bird Award. Ils voulaient avoir le Bird Award eux aussi. Ok, donc ils ont acheté un studio à vendre. Ils ont eu tous les deux la même clé. Et ils se sont battus. Et du coup, le studio de cinéma, c'est devenu une partie Espace et une partie Far West. D'accord. Ok, je pense que ça devait être ça. Alors, remix. Non. Hop, la couleur, non plus. Il y a du violet, il y a du rouge, il y a du bleu. Hop, ok, j'accepte. Mais on l'a déjà eu, ça, la liberté. On l'a déjà eu, cette couleur, non? Je pense qu'on l'a déjà eu, en plus. Mon Dieu. Peut-être qu'on a vraiment pas de chance au niveau des costumes de Hat Kid. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'accord. Eh ben écoutez, on a un nouveau personnage. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Je crois qu'il a un nom en anglais, mais il a pas de nom en français. Parce que, en fait, quand il parlait, il avait pas de nom, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce qu'il a sur son livre? Chapter 2, chapter 1, un couteau et chapter 2 du poison. D'accord, ok. C'est sympa ici, gamine. Quoi de neuf? T'es toujours en vie? À ce que je vois, quel dommage. D'accord, ok. Pourquoi ne pas régler ça avec une petite proposition? Tu fais des nouveaux contrats et tu seras énormément récompensé, si tu survis évidemment. J'ai cette carte pour toi. Tu verras, je n'ai marqué qu'un seul contrat pour l'instant. Tu devras le compléter avant de passer aux autres. C'est plus équilibré comme ça. Fais attention, gamine. Ce ne sont pas des contrats normaux. Ce sont des contrats avancés. Je ne voudrais pas que tu meurs en plein travail. Ah 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 ah. Chaud comme la braise. Qu'est-ce que c'est? 111. Il y a 111 contrats? Non. Chaud comme la braise. Ferme tous les robinets à lave. Il fait vraiment très chaud. Refroidis-toi. Ah, donc en fait... Ah, il s'appelle Klepto. Ne t'embête pas à faire toutes les tâches de ton contrat à la fois. Tu peux même revenir plus tard pour les faire. Ça ne me dérange pas, vraiment. Prends tout ton temps. Donc, il s'appelle Klepto. D'accord, ok. Bon, ben ça sera vraiment pour la fin, je pense, du jeu. Ah non, mais regardez, c'est une nouvelle couleur qu'on a eue. Parce qu'on n'a jamais eu les cheveux violets comme ça. Bon, ben écoutez, c'est parfait. On va continuer, du coup, notre chapitre 2. Et du coup, ça sera vraiment le dernier truc pour cette vidéo. On va finir le chapitre, je pense. Voilà, donc on a réparé ça, parfait. Et du coup, voilà, il y a encore ces trucs-là. Hein. Donc là, on est dans le train. Et là, on est dans le studio. Mais ça, je sais pas du tout où on va pouvoir les avoir, par contre. Hein, je vous le dis, les gars. Vu que, en fait, quand on consulte un chapitre, il y a marqué « sécurisé », je sais pas si on va pouvoir les avoir, en fait. Mais bon, à mon avis, oui, hein, y a pas de raison. Ok, les amis, nous revoilà à l'endroit de tout à l'heure. Donc, ici, on avait le fragment temporel, je vous rappelle. Ok, là, on avait eu une pelote, du coup. Et du coup, le fragment temporel a disparu. Ça, c'est une bonne chose. Je ne savais pas qu'il disparaissait comme ça. Alors, on a quelque chose en haut. On a une pelote. Mais on a aussi
Un truc, il nous l'indique. Donc, on va peut-être y aller. C'est quoi ça? On peut y aller? Ah, on descend! Oh! Chapitre 2, le choc des volailles. Acte 6, prix du jury. Oh, mais ça semble intéressant tout ça! Ah oui, mais totalement! Et là, il y a encore des trucs! Ah ouais! Ah mince, ok, par contre, ça serait bien de sauter, Ad Kid, s'il te plaît, voilà. J'avais même pas vu qu'il y avait la petite corde. Ah mais oui! Oh là là, c'est tellement génial! Là, on peut passer ici? Ouais, c'est quoi? La majeure partie de ces lettres ont l'air d'être des fiches d'impôts. Logique, tu n'as pas l'impression d'avoir vu beaucoup de cinéma sur cette planète. Et détruire des trains doit revenir cher au bout de quelques prises. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, est-ce qu'on peut aller là-dedans? Non, on peut pas aller là-dedans. Par contre, on peut récupérer les trucs qu'il y a ici. Ok, le B1. On peut rentrer là-dedans? Non, j'ai pas l'impression, hein. On dirait que tu ne peux pas aller plus loin, subtil. Est-ce qu'on peut les détruire? Ou en courant? Non, je sais pas. En faisant de la magie? Non, j'ai pas l'impression. On peut pas rentrer, hein. Dans tous les cas, on peut pas rentrer. Donc, c'est pas grave. Continuons notre traversée. Hop, voilà. Ici, on peut continuer. Parfait. Là, on a juste à sauter. Ok, magnifique. Du coup, ça me rend un petit peu triste de ne pas pouvoir récupérer le jeton. Parce que j'aime bien tout clear, moi, à 100%. Ah, peut-être que on va pouvoir retourner, du coup, là-bas. Ah, c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter là-haut? Oui, on peut monter là-haut, parfait. Ok, j'ai bien fait, du coup. Et là, il y a quoi? Ok, il y a un jeton là-bas. Non, c'est une pelote. Ok, là par contre, il y a une pelote. Très bien. Mais est-ce que... Attends. Ouais, non, non, j'ai le truc qui me permet de faire le grappin. Ok, c'est bon, j'ai la pelote. Parfait. La pelote de l'alchimiste. Nickel. Bon, continuons vers là-bas du coup. On avait trouvé encore des pelotes. Et on va essayer de récupérer le jeton de tout à l'heure. Parce que bon. C'est pas qui m'intéresse, mais bon, j'aimerais bien finir le jeu à 100% moi. Peut-être pas en vidéo, mais de mon côté, en tout cas, oui, ça je le ferai. Hop. Hop. Et là, est-ce que on peut monter? Attendez, j'ai une question moi. Est-ce qu'on peut y aller là-dedans? J'ai l'impression que oui, hein. Alors attendez, on va le faire. Hop. Hop. Ah, on peut pas y aller? Ah, on peut pas y aller. D'accord. Ok, bah je savais pas. Voilà. Voilà. Ok, parfait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ces étagères sont remplies de films dont tu n'as jamais entendu parler. La quantité de titres ayant des jeux de mots sur les oiseaux est impressionnante. Ouais. Mais par contre, je peux vraiment pas récupérer le truc en bas, là? Mais c'est pas logique! Mais c'est pas logique, on est d'accord, les gars, là. Parce que me tuer alors que pertinemment je peux aller dessus, ça a pas de sens. C'est du mauvais game design, là, hein, à ce niveau-là. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des trucs... Ok, c'est pas intéressant. D'accord, bon. Allons-y. Bon, on va faire attention quand même. Parce que mine de rien, j'ai qu'une vie et j'ai pas envie de mourir. Oh, il y a des trucs. Ok, on va pouvoir récupérer ça. Mais du coup, vous avez vu, c'est le même truc que le fragment temporel. Ok, la pelote du coureur. Merci beaucoup. Pour l'instant, ça n'a pas d'utilité. Vu que j'ai déjà presque tous les chapeaux du jeu, il m'en manque un, on m'a dit. Alors hop, ok, ici on peut monter, voilà, le conducteur, c'est une vraie star le conducteur en fait j'ai l'impression, hein. Hop, voilà, nickel,
On peut descendre ici. On peut y aller. Ouais. Effectivement, on peut y aller. Il y a écrit sur l'étiquette perche. La boîte sent très fort. D'accord. Ok. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris comment faire du cinéma, hein. Parce que j'ai l'impression que leur décor, ils servent qu'une fois. Genre pour une scène. Et si c'est une scène où ils doivent détruire le décor, ben ils doivent refaire le décor en fait. Ils ont pas compris comment ça fonctionne, les décors et le cinéma, j'ai l'impression. Ah, mais comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. Après, on va ici. Ok. Là, on peut monter ici. Ici, là. On peut descendre. Ok. Oh. Il y a des trucs. Vite. Voilà. On a tout récupéré. Ok, ça ne servait à rien. Là, est-ce que on peut monter? Oui, on peut monter. Ici, il y a encore des trucs. Nickel. Ah mince, mais non, c'était pas ça que je voulais faire. Ok, c'était pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Là, on peut monter. Ici, ça sert pas à grand chose. Voilà. C'est quoi ça? Pelote gelée. D'accord. Est-ce qu'on peut monter ici? Non, on peut pas monter là-dessus. Mais c'est nul! Ah, heureusement qu'ils nous remettent là. Comment vous voulez que je fasse? Est-ce que vous pensez qu'au milieu, on peut passer? Ouais, non, on peut pas passer. D'accord. Bon, j'ai plus qu'une vie. Je sais pas où je dois passer, mais c'est pas grave. Hop, hop. Continuons. Voilà. Ok, ici, on a une vie. Récupérons-la. Ok, là, il y a du lore, on s'en fout. Hop. Et en haut, il y a quelque chose, non? Ok, en haut, il y a bien quelque chose, effectivement. Et on doit passer comme ça. Voilà, tout simplement. Nickel. La pelote gelée, et après, il faut passer là-dedans. Ok. On est où ici? Ah, regardez, il y a encore les interrupteurs. Ok, les interrupteurs vont nous servir à quelque chose. Ça, vous pouvez en être certain. Par contre, pourquoi il y a des caméras qui fonctionnent toujours? C'est pas des caméras de surveillance, en plus, c'est vraiment des caméras pour filmer, donc ça n'a pas d'intérêt. Ah, il y a des corbeaux. Ok, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Voilà. Est-ce que on peut monter ici? Oui. Voilà. Hop, on active ça. Ok, il y a des gardes. On fait attention. Voilà. Hop, on peut monter. Ici, ça nous donne de la vie. Là, clac. Et du coup, il va nous manquer encore un interrupteur, je pense. Et il va se trouver là-bas. Et pour y aller, eh bien, il faut tout simplement faire ça. Voilà. On reste ici. Et comment on monte là? On peut pas monter là. Quoique, à moins de faire ça. Ouais, non, mais ça marche pas. Ah, mais regardez là, tout simplement en fait. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est de la plateforme que j'aime. Parfait. Bon, là, on a tout activé. C'est bien. Par contre, c'est où que ça nous ouvrait la porte? Je sais plus ça, par contre. Ah, c'est ici. Tout simplement. Voilà. Ah. Là, c'est la salle, peut-être, où il monte. Ok. Il faut qu'on monte ici. Pour monter là. Hop. Voilà. Voilà, ok. Parfait. Bon alors, ici, il y a des caméras. Et peut-on descendre? Non, on peut pas y aller. Bah,
Descendons. Concrètement, on a que ça à faire. Là, on peut juste passer. C'est une vraie prise de tête, hein, par contre, ce truc. Ok, là, il n'y a plus rien. On peut descendre. Oh. Oh, la loge. Là, il y a forcément des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est les Bird Awards, ça. C'est les statues. Bah oui. Oh, une clé. Ok, on a une clé. À quoi va nous servir ça, je ne sais pas. On a une clé. À mon avis, il doit y avoir quelque chose entre le conducteur et DJ Groove. En mode, soit ils ont truqué tout ça. Soit ils font semblant d'être potes alors qu'ils sont pas potes. Enfin, ils font semblant d'être pas potes alors qu'ils sont potes, ils sont complices. Ok, on peut passer là. Voilà. Ah, regardez. Clac. Voilà. Ici, on peut monter. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Oui. Oh, regardez, il y a tous nos films. Le crime du Hibou Express et tout. Murder Hall Express. Ok. Parfait. Moi, je suis là où il y a les joyaux, hein. Parce que forcément, là où il y a des joyaux, c'est qu'on n'est pas passé. Donc, je fais confiance au jeu. Mince! Faut que je fasse quoi, alors? Bah ouais. Ah, comme ça, d'accord, ok. Ouh, c'est chaud, hein. D'accord. Là, on peut y aller? Oui, on peut y aller, effectivement. Là, c'est la clé. Ok! Eh ben, un jeton. Parfait. Merci beaucoup. Et à quoi ça servait, ça? Ben, ça servait à rien. Ok, ça servait à rien. Merci beaucoup. Comment je remonte? On va prendre l'ascenseur, du coup. Ah non, mais attends, mais l'ascenseur, il nous emmène où, là? Oh là là! Mais il nous emmène où? Il y a trop de trucs, c'est pas possible! Oh là là, ah mais ils sont là. Quelle surprise ma chérie, on dirait que tu m'as pris la main dans le sac. Hein. Ce dernier fragment temporel m'appartient ma chérie. Et si tu le veux, il va falloir me passer sur le corps. D'accord. Oh. Ok, 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 ok. Oh purée, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il se passe quoi là? Ok, on peut le taper là, quand il est comme ça. Ouh là 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 là. Ok, je comprends pas bien ce qu'il fait. Tiens. D'accord, donc il nous saute dessus. Là, il va faire l'onde de choc. D'accord. Ok, là, il fait tomber les trucs. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est pas grave. Tiens, tiens, tiens. Oh, dommage. J'ai pas réussi. Ok, il tombe. Voilà, en fait, il faut vraiment que je m'approche de lui. Bon, pour l'instant, il est pas dur, hein. Il est vraiment pas dur. Allez, tiens. Voilà. Ok, il va venir vers moi. Parfait. Ok, il est vraiment pas dur. Deuxième phase. Ok, il m'envoie des trucs. Alors, c'est quoi ça? Oh. Oh, purée, c'est un ninja, en fait. Oh, des couteaux. Il veut me tuer. Et comment je le tape, moi? Comme ça, en l'air. D'accord. Ok. Là, la boule, on la connaît très bien. C'est notre pote. Voilà. Très bien. Ok, les couteaux, tranquille. Là, il fait quoi? Oui, là, il fait le truc. Tiens. Oh non, je l'ai pas eu. Dommage. Ok, les couteaux, c'est tranquillou. Là, tu fais quoi? Ah, encore le truc. Tiens. Voilà. Troisième phase. Ok. Pour l'instant, franchement, ce boss est sympa. Ouh, il fait quoi là? Oh, what? C'est quoi? Ouh là là. Ok. D'accord. Ok, la boule, notre pote. Oh! Ok, il fait des leurres. Mince.
Il fait des leurres. Parfait. Ok. Tiens. Nickel. Donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Oh là 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 là. Mince, mince, mince. Tiens. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Tiens. Oh oui, merci pour les cœurs. Oh mais il a combien de phases? Il a combien de phases? Oh. Il fait rien. What? Assieds-toi ma chérie, il faut qu'on parle. Mais what? C'est trop bizarre. Quand tu es arrivé sur cette planète, ces fragments temporels sont tombés du ciel. Je comprends qu'ils t'appartiennent ma chérie, je le comprends, mais est-ce que tu savais qu'ils pouvaient permettre de remonter le temps? Avec un seul de ces fragments temporels, il me serait possible de récupérer ces trophées qui me reviennent de droit, ma chérie. Tous ces trophées que j'ai perdus face à ce tricheur de conducteur. Je ne peux pas le prouver, ma chérie, mais je suis sûr et certain que le conducteur a tiré assez de ficelles pour garantir que je ne pourrai jamais gagner. Un seul de ces fragments temporels me suffirait pour mettre fin à plusieurs années de triche et de fraude. Pourrais-tu m'en donner un, ma chérie? Jamais. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, tu es si avare, je t'ai offert la célébrité en échange d'un misérable fragment temporel et tu cherches quand même à marchander? Eh bien ma chérie, si tu tellement ce fragment temporel, il va falloir me passer sur le corps. Des fois la traduction est un peu bizarre. Oh! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu te souviens de cette bombe, ma chérie? Je l'ai volée sur le plateau du conducteur. Devine ce que je vais en faire. Oh! Mais quoi? Il veut me tuer avec? Tiens. Ok, il faut le tuer vite, je pense. Oh là, il envoie des couteaux. Tiens. Ok, il fait des petits couteaux. Tiens. Allez, meurs, 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 meurs. Oh, c'est quoi ça? Ok, il refait les couteaux. Tiens, voilà. Pour l'instant, il est facile. Hein. Tiens. Gamine, viens voir. Attends un peu, je vais trouver un moyen de désamorcer la bombe. Ah, il nous aide, le conducteur. C'est mon préféré, le conducteur. J'aime pas DJ Groove, moi. Je préfère le conducteur. Et il va tomber. Tiens. Voilà. Tiens. Tiens. Allez, s'il te plaît, meurs. Tiens. Bon, et le conducteur, tu fais quoi là? Faut m'aider, hein. Tiens. Mon désamorçage est prêt, viens là. Il a pris juste un ciseau, quoi, merde. Allez, tiens, voilà. Ok, 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 ok. Là, c'est la phase finale. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh, ils veulent me tuer! Ils veulent me défoncer! Tiens. Ok. Tiens. On a ses potes derrière. Oh là 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 là. On a ses potes à l'arrière, là, qui veulent me tuer. Ils veulent me découper en rondelles. Tiens. Voilà. Très bien. Non, 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 non. Tiens. Oh là 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 là. Eh, il est bien ce boss, hein. Franchement, il est cool. Mais il est long. Tiens. Voilà. Enfin. Meurs. Purée, on peut le défoncer par terre. Il mérite plus de faire de film. Meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs, défonce-le. Ça fait rien? Non, ça fait rien. Bon, ben voilà. Oh, il y avait un pingouin à la fin. Eh ben dis donc, il force avec le grenier. Hein. Bon, eh bien voilà. On a terminé officiellement le chapitre 2. Mais il nous manque quand même des trucs. Hein. Eh ouais, les gars, regardez, il nous manque ça, là. Comment on peut les avoir, ceux-là?
Et celui-là, je sais où il est dans le train. Lui, bon. Il est à côté d'un immeuble, mais forcément, c'est ça peut être que ça. Ça peut être que lui, là. La diva mystérieuse, le public survolté. Non, ça doit être ça. Trait pour trait. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de At In Time. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et écoutez, on se retrouve et bien écoutez très prochainement pour la suite de At In Time. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.